Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Vous avez certainement entendu parler du projet Montagne d'Or, un projet d'extraction à ciel ouvert en Guyane. À la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux, personne n'a pu passer à côté. Danger environnemental, spoliation des ressources, autonomie, beaucoup de questions sont en suspens. Pour y répondre, nous accueillons en différé de Guyane Philippe Boré, membre du collectif Hors de Question, qui lutte pour l'arrêt simple et définitif du projet. En fond sonore, appréciez les cigales et les grenouilles arboricoles de Guyane. Bonjour Philippe et bienvenue sous la canopée. Peux-tu nous parler de toi et du collectif que tu représentes ? Bonjour Monsieur Green, voilà, je suis fondateur de Mayuri Nature Guyane, une association créée en 2006 lors de la convergence des luttes qui s'opposait en fait à la première tentative d'implantation d'une méga-industrie minière en Guyane française. Jusqu'à présent, nous avons toujours eu en Guyane de l'industrie minière alluvionnaire, qu'elle soit légale par les artisans miniers de Guyane ou illégale par ce qu'on appelle les guérimperos. Ici, il s'agissait d'une méga-industrie minière, c'est-à-dire ces fosses immenses à ciel ouvert qui utilisent le cyanure. Ce projet consistait à l'époque à construire deux immenses fosses d'un kilomètre de diamètre. Il faut savoir quand même que pour convaincre nos auditeurs que la lutte citoyenne peut porter ses fruits, qu'à l'issue de 2 ans d'opposition et d'action, à notre grande surprise, le gouvernement français a retoqué le projet et la multinationale a même perdu son recours devant le tribunal administratif, recours dans lequel il demandait 250 millions d'euros de compensation financière. L'affaire qui nous concerne désormais a commencé, le 14 juillet 2016 par la création du collectif Hors de Question, un collectif qui s'oppose donc à ce nouveau projet d'une compagnie, cette fois-ci russo-canadienne. Ce projet voudrait se dérouler au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, à 120 km au cœur de la forêt tropicale, de la seule forêt tropicale humide d'Europe. Et ce collectif regroupe 33 organisations guyanaises, citoyennes, environnementales, syndicales et politiques, et est soutenu aussi par un grand nombre d'organisations nationales comme France Liberté, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et bien d'autres. Alors qu'une pétition vient d'être récemment ouverte par 4 ONG pour porter plainte contre l'État français pour inaction climatique et non-respect des lois, et d'ailleurs signée par plus de 2 millions de personnes, peux-tu nous expliquer ce fameux projet de Montagne d'Or, ses intervenants, ainsi que son impact social et environnemental ? Donc, le projet Montagne d'Or est certainement le projet type climaticide par excellence, et les chiffres qui vont suivre le prouvent. Tout d'abord, si l'orpaillage artisanal alluvionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure consiste à aller chercher des pépites et des paillettes dans l'alluvion des rivières, c'est-à-dire à quelques mètres de profondeur dans les rivières, la méga-industrie minière, telle que nous la combattons actuellement, va elle chercher en fait le lore des particules infimes qui sont à peine visibles à l'œil nu dans le sous-sol, dans la roche-mer, à 100, 200, 300 mètres de profondeur. Donc c'est une des industries la plus polluante au monde. Pourquoi ? Parce que la teneur est ridicule, elle est dérisoire. Celle qui nous concerne tient à 1,6 g d'or par tonne de roche. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher une tonne de roche à 200 ou 300 mètres de profondeur, la broyer, la concasser, la cyanurer pour récolter 1,6 g d'or, c'est-à-dire 60 euros. Pour que ça soit rentable, bien entendu, il faut produire des quantités pharaoniques
de roches. Et le projet Montagne d'Or, c'est 80 000 tonnes de roches extraites chaque jour, extraites par ces fameux camions, ces méga camions dont les roues font 3 mètres de diamètre, et remontées en surface. 80 000 tonnes de roches, dont les 4 cinquièmes ne comportent pas de traces d'or ou quasiment pas suffisamment. Ils vont rejoindre un premier tas de déchets, une montagne artificielle de 300 millions de tonnes à l'issue du projet. Ce sont ce qu'on appelle les stériles, stériles pour les actionnaires parce qu'ils ne contiennent pas d'or, mais loin d'être stériles pour la population en termes de sanitaire, parce qu'on le verra par la suite, là où il y a de l'or, il y a aussi beaucoup de métaux lourds qui vont être mis à l'air libre alors qu'ils étaient totalement inoffensifs auparavant au fin fond du sous-sol. Le deuxième type, les 1 cinquième de cette roche, de ces 80 000 tonnes de roche extraites, vont contenir une certaine dose, teneur d'or suffisante, qui va être du coup broyée, chargée dans des unités de cyanuration, afin que l'on extrait, à force de cyanure, cette partie, ces molécules d'or qui sont contenues dans ces roches. Donc pourquoi c'est l'une des industries les plus polluantes? Tout simplement parce que la quantité de déchets miniers au regard de la production est pharaonique. Ainsi, au bout de 12 ans, pour sortir 85 tonnes d'or, on aura généré pas loin de 350 millions de tonnes qui seront non pas remis dans le trou, parce qu'il y aura du monde des camions jusqu'au dernier jour dans ce trou, mais déposés en deux temps. L'un, une montagne artificielle, comme je le disais, et l'autre, ce sont les résidus miniers qui ont été cyanurés, qui deviendront des boues, et ces boues seront entreposés dans une vallée qui sera fermée de ses trois côtés par des montagnes et par un bord, par ces fameuses digues de rétention, une digue qui fera 60 mètres de haut, 2 km de long. Et c'est ces fameuses digues qui régulièrement, et quand on dit régulièrement, c'est pas trop, c'est tous les à peu près deux par an, des digues qui cèdent suite aux incidents climatiques, précipitations trop importantes, des productions, des mauvaises gestions du site, et ces ruptures de digues sont dramatiques pour l'environnement parce qu'elles vont détruire en aval de ces sites miniers toute l'écologie, toute l'économie des peuples qui y habitent. Donc ce projet minier en fait est conçu par un consortium international russe et canadien dont l'actionnaire principal est, soit dit en passant, la deuxième fortune de Russie. Pour atteindre une telle production, il faut mobiliser des forces très importantes. Donc si ce projet voit le jour, au terme des 12 années de production, la fosse d'extraction fera 2,5 km de long, 500 m de large et plus de 300 mètres de profondeur. Donc pour en arriver là, bien sûr, les chiffres des volumes et des énergies sont pharaoniques. Il faudra effectivement consommer 10 tonnes de cyanure par jour, 18 tonnes d'explosifs par jour, une consommation d'énergie similaire à celle qui est consommée par la ville de Cayenne, c'est-à-dire la capitale, hein, à savoir 20 mégawatts, hein, et enfin une consommation d'eau qui donne le tournis, de 470 000 litres d'eau par heure. Je dis bien 470 000 litres d'eau par heure pour tout ce processus de cyanuration et de lavage de ces boues. Donc, outre le fait que ce projet est inutile pour la survie de l'homme, hein, car il faut savoir que 8% de la production d'or est, on va dire, utile pour l'homme. Donc ces 8% sont entre guillemets hein, utiles. Ces 8% c'est destiné à ce qu'on appelle l'industrie du spatial, la nanomédecine, donc c'est dérisoire, c'est quelques kilos. Et aussi, bien sûr, l'informatique, à savoir nos téléphones, celui que j'utilise pour vous transmettre ce message, les ordinateurs et autres objets informatiques. Mais il faut savoir que ces 8% sont satisfaits par trois fois leur volume, par le simple recyclage que l'on génère au niveau du monde entier. Et pourtant,
Dieu sait que ce recyclage n'est pas vraiment motivé, n'est pas vraiment activé, et nombre de téléphones et smartphones finissent directement à la poubelle ou à la décharge. Donc en fait, disons qu'on peut, le dire, on peut continuer à utiliser des portables, des téléphones, sans avoir à creuser dans le sous-sol du monde, car cette quantité d'or nécessaire se trouve dans nos poubelles et se trouve vraiment, si vraiment on en manquait, se trouve surtout dans les sous-sols des banques. C'est quand même 3000 tonnes d'or à 40 mètres de profondeur dans le sous-sol de la Banque de France, si besoin. Donc, on l'a vu, ce projet est une gabegie énergétique qui va accroître l'empreinte carbone d'un Guyanais de 60%, il faut le savoir. Le Guyanais est très sobre en empreinte carbone, mais ce seul projet va faire chuter cette sobriété. Donc, outre cela, outre le fait que c'est aussi un mirage économique, c'est-à-dire que, et ça c'est nos amis du WWF qui l'ont prouvé dans leur rapport sur l'économie, ce projet va nécessiter, rappelons-le quand même, 420 millions de fonds publics directs, indirects ou induits pour permettre à cette multinationale russo-canadienne de réaliser ce projet. Donc certes, ils vont générer 750 emplois, mais si on le rapporte aux subventions indirectes et directes, chaque emploi créé va coûter aux contribuables 560 000 euros. Donc, nos craintes en matière environnementale sont de deux ordres, voire trois. Bien sûr, il s'agit de déforestation importante, déforestation pour générer cette route qui va relier Saint-Laurent-du-Maroni à la mine, 120 km à travers la forêt tropicale, plus la déforestation du site. Ce site minier qui va se trouver entre deux réserves biologiques intégrales. Donc, pour la petite histoire, il faut savoir que ces réserves biologiques qui sont gérées par l'Office national des forêts sont tellement importantes que même le citoyen guyanais n'a pas le droit d'y mettre le pied. Et pourtant, on va autoriser à mettre une fosse, donc la fameuse fosse dont je vous ai parlé, qui sera située à 300 mètres des lisières de ces réserves biologiques, sachant quand même que cette fosse sera éclairée 24 heures sur 24 et sera soumise au trafic de ces méga camions jour et nuit, bien entendu, avec les explosions dont on vous a évoqué. Donc c'est des impacts quand même extraordinaires en termes de pollution et de nuisances sonores et visuelles sur ces sites qui sont d'une très grande biodiversité. On appelle cela souvent des forêts reliques. Des forêts reliques, car c'est certainement les forêts les plus anciennes de la Guyane française, du plateau des Guyanes, parce qu'ils sont très élevés et qu'ils ont sûrement résisté à de nombreuses contraintes climatiques par le passé. Et dans ces sites, il y a des nouvelles espèces que l'on risque que l'on va détruire avant même de les avoir inventoriées. Et c'est ça le côté gravissime en termes de biodiversité. Le deuxième impact, c'est les ruptures de digues, on en a déjà parlé, ces changements climatiques qui aussi impactent l'Amazonie française, hein, qui se traduisent par des événements pluvieux, intenses, de plus en plus fréquents. Donc ces 300-350 mm de pluie qui s'abattent sur un site, sur un secteur, en quelques heures. Et ce type d'événements climatiques est à l'origine de ces fameuses ruptures de digues, comme on a pu voir en 2015 au Brésil, dans l'État, sur le Rio Doce au Brésil, et qui a ravagé plus de 600 km du fleuve Rio Doce et de nombreux villages de torrents de boue qui s'est terminé dans l'océan Atlantique. L'autre impact est bien sûr ce qu'on appelle le drainage acide minier. Le drainage acide minier consiste à la libération de tous ces métaux lourds qui se trouvent dans les déchets miniers qui ont été extraits de la fosse. Là où il y a de l'or, il y a aussi un certain nombre de métaux lourds qui sont associés à ce métal rare qu'est l'or. Je veux parler de l'arsenic, du chrome, du cadmium, du zinc, du manganèse et bien d'autres métaux toxiques qui sont totalement inoffensifs tant qu'ils sont dans la gaine de la roche, mais dès qu'ils sont réduits en poudre, ils sont très facilement oxydables et libérables dans le milieu naturel via les pluies, l'érosion et tout ce qui va détériorer le confinement
qui sera certainement très insuffisant. Le confinement qui va essayer de mobiliser, de cantonner les déchets miniers, ces 350 millions de tonnes de déchets miniers, c'est-à-dire le contenu de la fosse. Donc ces métaux lourds vont au fil des années être drainés par les pluies dans tout le réseau hydrologique de la Guyane, qui est très très important. La Guyane, on l'a peut-être pas dit, mais c'est un sixième de l'Hexagone. C'est un peu la superficie de la Bretagne et de la Normandie. Et malgré tout, il cumule 110 000 km de rivières et fleuves. Donc le jour où il y a un accident ou une pollution sur un site, la diffusion de cette pollution est difficilement freinable, d'autant que nous nous trouvons ici à plusieurs centaines de kilomètres de la première route. L'argument généralement avancé par les projets des multinationales est le développement économique local. Aussi, par quels moyens comptez-vous développer votre région ? Si nous nous opposons effectivement à cette industrie mortifère qui est l'extractivisme minier en Guyane de manière industrielle, nous proposons effectivement, il suffit de télécharger cette brochure sur notre site, elle s'appelle « Pourquoi il faut dire oui aux filières d'emploi d'avenir ?» et une brochure dans laquelle nous avons recensé 25 filières qui sont des filières durables et respectueuses de la biodiversité de la Guyane. Donc il s'agit déjà de l'agriculture, de l'agroforesterie, de la permaculture. Donc c'est des activités qui certes nécessitent de couper des forêts primaires, mais qui vont nous permettre d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Il faut savoir que la grande majorité des produits que nous consommons au quotidien a traversé l'Atlantique. C'est pas écologique de faire ce genre de choses. Nous parlons aussi de pêche soutenable, nous parlons aussi d'agroforesterie. Il faut savoir que pour construire nos maisons, nous avons besoin de matériaux et ces matériaux sont aussi gérés durablement pour l'instant en Guyane et c'est une bonne chose et génèrent de nombreux métiers locaux. Il y a bien sûr aussi toute l'énergie renouvelable qui sont générateurs de métiers, le solaire, les métiers liés à la biomasse qui est basée bien sûr sur les déchets de scierie. Il y a tous les métiers qui sont liés au biomimétisme, à la cosmétique, à la parfumerie, à l'herboristerie, à la santé, et bien sûr tous ces métiers du secteur de l'écotourisme qui jusqu'à présent sont sous-valorisés. Le choix du collectif de s'opposer au projet est soutenu par de nombreux peuples. Cette opposition signifie également de repenser la définition de la croissance économique de notre système qui ne reposerait plus uniquement sur les ressources naturelles. Ce changement nécessaire pour l'avenir de l'humanité est-il également compris et soutenu par les Guyanais ? Lorsque cette convergence de lutte s'est mise en place, le lobbying de la compagnie minière internationale avait déjà fait son effet sur les politiques, sur les hommes politiques, sur les administrations, sur l'université, comme ça se fait partout dans le monde entier. Et nous avons dû argumenter pendant de nombreux mois pour renverser un petit peu la situation. Et nous avons été agréablement surpris de voir que notre combat a été rejoint par les différents peuples autochtones de la Guyane. Il s'agit de six nations, premières nations qui ont occupé le territoire guyanais, qui se regroupent sur différentes organisations, comme les JAG, les Jeunesses Autochtones de Guyane. Ces jeunes guyanais, amérindiens, nous ont aidés et ont même occupé le terrain médiatique par leur sincérité dans leurs propos et dans leur volonté de refuser ce type de développement, ce choix de société. Le dernier sondage réalisé montre que plus de 70% de la population est opposée à ce projet et donc la population guyanaise, on peut le dire, dans son ensemble, a pris conscience du danger de ce type de développement économique. La cloison épaisse que la révolution industrielle a dressée entre l'homme et la nature est la principale barrière à franchir pour que l'humain vive de nouveau en harmonie avec celle-ci. Aussi, pour terminer cet entretien, peux-tu nous faire voyager à travers votre biodiversité, mais également nous conter ton histoire avec la nature et la relation que tu entretiens avec elle ? Donc pour décrire la Guyane au travers de sa biodiversité, il faut quand même rappeler que c'est la seule forêt tropicale humide de la riche Europe. Au niveau superficie, elle représente seulement un sixième de la France hexagonale, c'est-à-dire
la Bretagne et la Normandie réunies en termes de surface. Et pourtant, ce territoire restreint héberge 80% de la biodiversité de l'Hexagone. Quelques chiffres pour illustrer cela. On y a recensé plus de 135 espèces d'amphibiens, 100 espèces de serpents, 370 espèces de poissons d'eau douce, 100 espèces de chauves-souris. Et au niveau des insectes, qui sont aussi la merveille de ce pays, on estime entre 400 000 et 1 million d'espèces, c'est une estimation, sur le territoire. Pour les oiseaux, non, là c'est aussi particulier, 711 espèces d'oiseaux en Guyane, soit plus que sur tout le territoire européen, en y incluant même les oiseaux du pays du Maghreb et de la Russie. En termes de botanique, il faut s'imaginer une forêt primaire sur un seul hectare, au prix au hasard, en moyenne, pas loin de 200 espèces d'arbres différents. Mais bon, la Guyane, c'est aussi ses 22 communes, Cayenne, la ville capitale où est concentrée la grande majorité de la population, Kourou, la ville spatiale et son pot de tir de la fusée Ariane. C'est aussi donc une diversité de sites, de milieux naturels, les forêts primaires, ce qu'on appelle les forêts anciennes, qui ont soi-disant donc jamais été déforestées, les forêts secondaires, les savanes, les marais côtiers, et les fameuses plages de ponte à tortues marines, qui se situent sur le littoral, 350 km de littoral, majoritairement de la mangrove, simplement 4% de plages sur lesquelles certaines années on a pu s'enorgueillir d'héberger près de 50% ponte mondiale de la tortue lutte, cette plus grosse tortue du monde qui est remarquable et qui vient pondre sur nos côtes d'avril à août. Donc la Guyane est donc un joyau de biodiversité qu'il ne faut certainement pas brader à des multinationales pour des intérêts financiers et diplomatiques des plus obscurs. Puisque vous me demandez ce que je fais en matière de biodiversité, d'environnement, au niveau professionnel, eh bien j'ai monté il y a une vingtaine d'années une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions des curieux de nature d'Amérique du Sud. Et je publie des ouvrages, des guides touristiques, donc celui sur la Guyane, mais aussi un sur le Suriname, le pays voisin. Et cet ouvrage a pour vocation de promouvoir l'écotourisme sur ce pays et sur le pays voisin, un pays indépendant, le Suriname, une ex-colonie néerlandaise. Et au travers des pages, j'essaye de ces ouvrages, au travers des sentiers de randonnée, des sentiers de canoë, j'essaye de faire découvrir toute la beauté de ce pays, de ce département d'outre-mer. Merci et à bientôt. Merci énormément, Philippe, pour cette interview exclusive qui nous permet de comprendre les enjeux d'un tel projet. Pour information, cette chronique a été enregistrée début janvier et nous apprenions le 25 du même mois la rupture d'un barrage minier au Brésil, provoquant une gigantesque coulée de boue, causant à aujourd'hui la mort d'une trentaine de personnes et plus de 300 disparus. Aussi, Monsieur Green, comme beaucoup d'autres, soutiennent votre combat, car sans justice climatique et préservation de notre environnement, il n'y a pas de justice sociale, et pourtant celles-ci doivent aujourd'hui prévaloir sur les intérêts financiers et destructeurs. C'était Monsieur Green, à très bientôt sous la canopée. Nous écoutons tout de suite Lyriciste avec le titre « Hors de question, soutien contre le projet Montagne d'or ». Nous n'avons pas toutes les assurances quant aux impacts naturels et humains que ces projets auront pour la Guyane. On nous dit tout le temps des emplois, mais c'est faux. Moi, je n'ai pas encore vu que cette exploitation ait développé l'économie des pays. Au contraire, les plus riches continuent à s'enrichir et les plus pauvres à s'appauvrir. Est-ce vraiment pour nous aider qui veulent le faire ou est-ce pour augmenter leur chiffre d'affaires? Elle est jolie, elle est belle, ma terre, même si elle est violente. Comme à la guerre, mais la violence n'est pas une excuse pour nous exploiter. Si ce n'est pas pour nous aider, on va se débrouiller. Je dis non à cette montagne cachée qui ne verra pas le jour, ne verra pas le jour. Parce que Guyane est déterminée à protéger leurs ressources, protéger leurs ressources. Mais qu'est-ce que ma colère vient faire dans cette histoire? C'est qu'ils nous ont déjà menti et plus d'une fois. Ils font des promesses en croisant les doigts. Ils respectent pas ma nature, ça vole sa loi.
Est-ce vraiment pour nous aider qu'ils veulent le faire? Ou est-ce pour augmenter leur chiffre d'affaires? Elle est jolie, elle est belle ma terre, même si elle est violente, comme à la guerre. Mais la violence n'est pas une excuse pour nous exploiter, si ce n'est pas pour nous aider, on va se débrouiller. Paris face à Marseille, on ne bluffe pas. Leur projet c'est comme leur ballon, elles ne rentrent pas. C'est l'heure de remballer leur boublou et leur blabla. Je suis Bouginengue Amérindia, je suis Sarah Maka. De Wani Chobo Aliba, de Maipa Sula. Poti Wapina, ma de Ingi Fanda. Taïgi den Kaba, mec de Komotoya. Kedekwe, yeah, yeah. Est-ce vraiment pour nous aider qu'ils veulent le faire? Ou est-ce pour augmenter leur chiffre d'affaires? Elle est jolie, elle est belle ma terre, même si elle est violente, comme à la guerre. Mais la violence n'est pas une excuse pour nous exploiter, si ce n'est pas pour nous aider, on va se débrouiller. On a besoin d'école et de lycée, l'éducation de nos jeunes me paraît une priorité. Face à leurs discours, ils me font gaulerie, ils veulent nous faire avaler toutes leurs conneries. Pays a un problème pour nous régler. Est-ce qu'ils montagne d'or qui fait nous trapper sécurité? Face à leurs discours, ils me font gaulerie. Ils veulent nous faire avaler toutes leurs conneries. Est-ce vraiment pour nous aider qu'ils veulent le faire? Est-ce vraiment pour nous aider qu'ils veulent le faire? Ou est-ce pour augmenter leur chiffre d'affaires? Ou est-ce pour augmenter leur chiffre d'affaires? Elle est jolie, elle est belle ma terre. Si elle est violente, comme à la guerre. Et la violence n'est pas une excuse. Nous exploiter, est-ce vraiment pour nous aider qu'ils veulent le faire? Ou est-ce pour augmenter leur chiffre d'affaires? Elle est jolie, elle est belle ma terre, même si elle est violente, comme à la guerre. Mais la violence n'est pas une excuse pour nous exploiter, si ce n'est pas pour nous aider, on va se débrouiller. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, green, oui. Green, comment? Oh, super green. Aussi green que ça peut être. Green, 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 green,